Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a rencontré ce mercredi son homologue français François Hollande à Paris. La situation en Centrafrique était à l'ordre du jour. À un mois des élections législatives, c'est toujours la confusion qui règne en Libye. Des échanges de tirs ont été constatés ce mercredi dans la ville de Benghazi, à l'est du pays. Et puis, la compagnie Nestlé investit pour 70 millions de dollars au Nigeria, un apport destiné à tripler ses ventes annuelles sur le territoire. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, était en visite ce mercredi à Paris. Il a rencontré son homologue français, François Hollande, lors d'une réunion à l'Élysée consacrée à la Centrafrique et aux dossiers internes. Retour sur cette journée avec Aminata Djack. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a rencontré ce mercredi son homologue français, François Hollande, à l'Élysée à Paris. Au cœur des discussions, la crise en Centrafrique et les problèmes à la stabilité politique en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus impliqués dans la mission de paix en Centrafrique, avec 850 militaires et 150 policiers engagés aux côtés de la MISCA. Le déploiement des troupes congolaises dans le pays avait soulevé des remous, notamment au sein de la classe politique et de la société civile, qui estimait que cette intervention était non prioritaire. Pour la classe politique de la République démocratique du Congo, le déploiement des troupes congolaises, la RDC, en République centrafricaine n'était pas une priorité, dans la mesure où pour cette classe politique, la priorité est d'abord la consolidation d'un État démocratique. Pour cette classe politique, c'est d'abord des problèmes intérieurs qui l'emportent par rapport aux problèmes extérieurs. Mais pour le président Kabila, il était tout à fait normal en tant qu'État de la région d'apporter sa collaboration aux autres forces qui sont présentes en République centrafricaine. La visite du président congolais intervient également au moment où les expulsions collectives des Congolais de Congo-Brazzaville font débat à l'Assemblée nationale et dans tout le pays. Les difficultés actuelles entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. La République démocratique du Congo vient d'instaurer un visa pour les ressortissants de la République du Congo, et la République du Congo-Brazzaville demande que les Congolais de Kinshasa aient un passeport. Il faut espérer que ces situations tensionnelles seront traitées et que cette situation trouvera un début de solution. Les présidents congolais et français auraient aussi abordé la question sur la préparation des élections en République démocratique du Congo et le respect du calendrier électoral, des gages pour la paix et la stabilité dans le pays. Trois jours se sont écoulés depuis les attentats de Benghazi en Libye et le calme n'est toujours pas revenu. Ce mercredi, plusieurs échanges de tirs ont été entendus. Le général Khalifa Haftar et les milices islamistes se rendent coup pour coup. Les explications de Thierry Noiran. La crise libyenne n'en finit pas. Les affrontements se multiplient et les rebondissements se succèdent. Le dialogue entre les forces ralliées au général Khalifa Haftar et les milices islamistes semble hors de portée. Ce mercredi matin, encore deux détonations avaient été entendues aux alentours de Benghazi. Le manifeste de M. Haftar hier dans la télévision, il disait que dans son programme, il y a deux questions. La première question, il veut le retour de la sécurité et de l'économie au pays. La deuxième question, c'est combattre les mouvements islamistes extrémistes. Après l'attaque du Congrès général national dimanche dernier, le colonel Mokhtar Fernana avait annoncé la suspension du CGN, bloquant ainsi la formation du nouveau gouvernement d'Ahmed Mitig. Il a l'intention de dissoudre d'une manière ou d'une autre le Parlement. C'est pour faciliter les négociations pour les prochaines élections, c'est-à-dire maintenant. Malgré l'annonce de la suspension du CGN, ce dernier tente un retour sur la scène décisionnelle en annonçant la tenue d'élections législatives le 25 juin. Toutefois, le ralliement de nouvelles milices à l'opération Dignité du général Haftar et la poursuite des affrontements risquent de repousser cette échéance. Au Sénégal, à quelques semaines des élections locales, les divergences au sein de l'APR, le parti au pouvoir, ne sont toujours pas résolues. Parallèlement, la polémique autour des têtes de liste dans certaines régions du Sénégal vient raviver les débats politiques. C'est un reportage d'Idlet Bissou. À quelques semaines des prochaines élections locales au Sénégal, les formations politiques et les candidats peaufinent leur programme.
Au total, 228 partis politiques sont en lice pour le scrutin du 29 juin. Cependant, au sein du parti au pouvoir, certains actes posés par les partisans de l'APR font l'objet de discordes et de mécontentement. Les élections locales, ce ne sont pas des élections présidentielles ni des élections législatives. C'est une affaire locale où des alliances peuvent se faire dans cette localité et se défaire dans une autre, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Pendant que les responsables de l'Alliance pour la République s'attellent à instaurer l'ordre au sein de l'APR, la polémique sur les têtes de liste dans certaines régions du Sénégal font débat. Dans un parti politique, surtout un parti au pouvoir, c'est normal que les ambitions sortent. Il y a toujours le choc des ambitions. Aujourd'hui, quand on dit on va aux élections locales, chacun veut être maire, veut être adjoint au maire. Il y a aussi la coalition, qui est une large coalition, qui est autour du président de la République. Donc normalement, forcément, il faut qu'il puisse y avoir des problèmes au niveau des investitures. Au total, 2707 listes ont été validées. Après la présidentielle et les législatives, ce scrutin intervient comme un test pour l'APR, 2 ans après l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. L'actualité économique, c'est la compagnie Nestlé Nigeria qui investira 70 millions de dollars pour développer ses activités. Le groupe prévoit également d'étendre son réseau de distribution sur tout le territoire. Pour attirer des consommateurs, Nestlé Nigeria compte revoir ses prix de vente à la baisse. Plus de précisions avec Aminata Jack. 70 millions de dollars, c'est le montant que le groupe Nestlé prévoit d'investir dans son unité du Nigeria. Nestlé Nigeria a été fondé en 1961. Le site est basé à Lagos et s'est spécialisé dans l'alimentation et les boissons qu'il distribue dans le pays et vers d'autres zones de l'Afrique. Pour le directeur Darnesh Gordon, la compagnie aurait investi 400 millions de dollars au cours des 6 dernières années et prévoit d'étendre son réseau de distribution en s'appuyant notamment sur les commerces de proximité. Pendant de nombreuses années, nous avons réussi à asseoir une structure de vente formidable et un accès au marché. L'idéal est de trouver des partenaires locaux, c'est-à-dire des distributeurs nigériens qui ont leurs propres entreprises. Et nous leur apportons de nouveaux outils de vente pour les aider. Nous leur enseignons les bonnes pratiques en matière de distribution, d'entreposage. Notre démarche consiste donc à chercher des partenaires appropriés qui peuvent nous aider à fournir les produits aux consommateurs d'une façon plus efficace. Cependant, le coût élevé de certains produits constitue un frein à l'achat. Nestlé Nigeria compte ainsi proposer des prix plus compétitifs pour attirer de nouveaux consommateurs et retenir les clients ordinaires. Prenez les défis auxquels chaque entreprise est confrontée. Il est question de coûts d'exploitation et d'efficacité, d'être plus avisé sur la manière de se procurer les matières premières. La stratégie consiste à être plus efficace dans le secteur manufacturier. Nous croyons que les consommateurs recherchent de la valeur et l'un des moyens dont nous disposons, c'est de faire baisser les coûts et nous pouvons offrir aux consommateurs des prix plus compétitifs. Pour atteindre son objectif, Nestlé Nigeria entend tripler ses ventes annuelles de 2,2 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. La compagnie prévoit également de doubler sa capacité d'embouteillage d'eau afin de répondre à la demande croissante dans le nord du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Morning News sur Africa 24.